Et donc salut à tous, c'est la meute, c'est Angel, on est parti, enfin c'est Shadow, on est parti pour la suite. Oh, j'ai jamais arrivé à ce changement. Hein. On est parti pour la suite des aventures sur Far Cry New Dawn. Donc le jeu se passe 15 ans avant le 5, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient pas fini le 5 encore, ça se passe 15 ans après. Alors là par contre ça va être session spoil, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés par rapport juste au 5 déjà, voilà, je vous préviens, c'est session spoil. Ah, carrément. Je suis prête à me battre. C'était quoi? Entends-tu ma voix? Oh, fils d'up, le retour. Va là où tout s'est terminé. Et où tout a commencé. Ah non, dis-moi. Oh putain. Sérieux, ils vont me demander de retourner sur l'île que je viens de croiser sans faire exprès. Eh, dis, non, du nord reste là. Hey. Là, je vais dans mon, avec la chance que j'ai, tu vas me voir, je vais repartir dans l'île où l'île que j'étais tout à l'heure, en mode saune. Attends. Ah mais j'en connais. Mais oui, c'est là où on était au tout début du 5. Bah par contre il n'y avait pas de loi à l'époque. Mais c'est là où c'est le début du 5 avec la chapelle. Mais d'accord, je viens de reconnaître là où je suis, d'accord. C'est pas faux. Non, ça sent encore. Non mais c'est pour ceux qui seraient par exemple le 5, toi j'ai toujours pas fini. Mais je connais déjà la fin, mais j'ai toujours pas fini, toi. Donc c'est pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Wahid? Là, on pourrait passer à côté. Quand t'as pas d'amis, prends un curly. Qui est con ce gars-là? J'ai entendu la voix de Dieu. Il peut pas la fermer. Il m'a dit qu'un chemin difficile nous attendait. Je l'ai suivi tout du long, jusqu'au bout. Mais bien sûr. Faut respecter des poutres. Je suis en solo, poto. Je suis en solo. Là c'est la version Xbox, je suis en solo, faudrait que je trouve quelqu'un qui l'a sur Xbox. Parce que j'ai vu qu'il y avait deux défis à faire où il fallait faire une inviter quelqu'un dans ta session. Et l'autre c'était faire un événement, donc soit un fort, soit un truc donc comme ça, avec la personne en question, donc voilà. Ouais, mollo Nachos quand même. T'es un peu agressif toi quand même Nachos hein. Merde, c'est pas ça que je veux. Regarde comme le passé et le présent s'alignent avec le cercle du temps.
Ah, ma vie, c'est juste le... à droite. Ouais, c'est ma vie, c'est ça que ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a bien dedans pour que ça te... Ah d'accord, ok. Red Dead Redemption 2, oui, j'ai fini. Il est entièrement sur la chaîne YouTube, de A à Z. Le jeu est en... Tout le contenu de la vidéo est entièrement sur la chaîne. J'ai envoyé une demande d'amis sur Discord. Ok, mais je réchaînerai après le live, Wade. Donc ouais, donc Red Dead Redemption 2, il est entièrement sur la chaîne YouTube. Et voilà. Et honnêtement, pas mal. Toi, je suis même en train de le refaire sur la version Xbox que j'ai pris pour, la pour tester le multi. Et bon, pour l'instant, le problème principal, c'est le multi est extrêmement vide. Et moi qui adore tout ce qui est un peu scénarisé, bah en fait, tu te retrouves un peu avec rien du tout quoi, en contenu. Arrête. Mais nous avons tenu bon. Je vais faire comme Thor, le lancer de marteau. Et ça continue. C'est les chaleurs qui commencent, c'est ça qui c'est chiant. Ok, mais elle est où ta poutre? Allez, là-bas, d'accord. Ah d'accord, oui je vois le genre. Seuls ceux qui ont combattu le passé et dans les cendres est né le nouvel Éden. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Voilà. Ah ça va, il se calme quand même un petit peu en début de nuit après. Tu vois que c'est les périodes, des fois c'est. Pfff, la misère. C'est plus sur la journée, ça m'emmerde parce que j'arrête souvent pendant les lives ou quand je fais des enregistrements pour la chaîne YouTube qui se met à gueuler d'un coup, c'est hyper chiant quoi. Pour ceux qui l'auraient pas encore. Un chemin où tout s'allume en rose déjà au départ.
Et en plus de ça, qui s'est automatiquement, j'aurais pas vraiment confiance. Non, ça va encore. De rien, Wade. Pareil, tous ceux qui sont seuls, pensez à faire checker les réseaux sociaux. Je crois que tous les subs ont accès aux réseaux sociaux si vous voulez les faire partager aux nouveaux qui arrivent. Faut que je fasse quoi en fait, parce que bon, c'est bien marrant ça, mais je retourne là-bas. Ouais, je retourne là-bas. Ah, merci. J'ai pas le temps de me retaper tout la nage. Gina. Orange. Orange Gina. Blague de merde. C'est la rafale là, c'est parti. C'est la soirée des blagues de merde. Pas de fait. Enculé! Qu'est-ce qui arrive, Wade? T'arrives pas à t'occuper, c'est pour ça que tu t'emmerdes? Ouvre un livre, je sais pas. Ça passe le temps. Oh putain. Et si je commence tout le monde après dedans. Là, s'il me laisse pas rentrer maintenant. C'est lui, Judge, non? Le prochain allié. Ouais, c'est lui. Tu savais pas parler, mais oui, c'est lui. Oh, ça a l'air bien calme. Petit trou à eau. Décor sympatoche. Très médiéval. Y'a des poules! C'est les poules qui arrivent à mon œuf, c'est la poule! En tout cas, c'est très beau. Alors,
Chiant qui a encore l'autre taré avec ses lunettes. Hey Joseph, je vais te casser la gueule. Viens par ici, viens dire bonjour à papa. J'ai parlé à toi. Je ne t'imaginais pas comme ça. Mais peut-être te dis-tu la même chose. Si tu es venu parler à mon vieux père, viens. As-tu trouvé le livre? Sais-tu ce que tu m'apportes? La parole de Joseph. Ses idées, ses conseils, son savoir. Sa démence. J'ai cherché partout ce livre. Joseph disait que celui qui le trouverait serait choisi par Dieu pour régner pleinement sur l'Éden. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi qu'ils se sont tournés quand je suis parti au nord. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. C'est moi qu'ils ont choisi. Je suis celui qui les protège des cafards et des serpents. Je nous maintiens tous en vie à l'abri de ces murs. Pas mon père, moi. Oh, pas content. Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. Tu es venu chercher son aide. Mais Joseph est mort. Personne n'a envie de l'admettre, mais c'est la vérité. Notre famille croit encore en lui et il y a peu de chances que cela change un jour. À moins qu'elle comprenne qu'il n'était pas vraiment un messie. Qu'il n'était qu'un homme. Ah, commencez pas à vous engueuler dans le chat. Tu dois m'aider. Ramène-leur une preuve de sa mort. Et j'aiderai ton groupe. Mais pour que ma famille te laisse voyager au nord, prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Éden. J'en connais cette marque. Ils te mèneront à la flamme. Mec tranquille. Le mec il nous a fait juste c'est l'étoile, le c'est l'éclair de Harry Potter et c'est bon. Et Donkey Kong en femme sans les poils, c'est Donkey Kong après le ticket de métro. Quitter le domaine, évidemment, je vais pas me faire prier. Tiens, t'as bien raison. 2000 km. Mazel tov. Dites-moi que cette voiture marche. Pas. Oui. Zut. C'est le prix, va. Sous de ma gueule, petit. Allez, Gina. Allez, Gina, Gina. Au revoir, Gina. Je sais pas trop comment dire. Alors, non, graphiquement, il est à peu près kiff-kiff. Je crois que le mode graphique c'est le même. Sauf que comme celui-là est porté très post-apo, où t'as beaucoup de décors détruits et compagnie, c'est peut-être ça qui fait peut-être un peu moins. Après, je pense que la patte graphique doit être différente par rapport au, comme je t'ai dit, au, à l'univers en question, quoi. À mon avis, ça doit être ça. Moi, je trouve très beau le jeu. Hein. Et j'adore le côté très punk. Punk délire, c'est un peu à la Rage. C'est avec des couleurs explosives, du rose partout, des bleus partout, des trucs comme ça quoi. J'adore ce côté un peu décalé donc. Moi j'ai hâte de voir Rage 2. Qu'est-ce que ça va donner.
Il y a un petit jeu comme ça, tu sais, qui se prend pas vraiment au sérieux, toi, vraiment what the fuck complet. Par rapport au jeu qui sort en ce moment, toi, on est en train de faire. Au même moment, toi, on est en train de faire Anthem, on est en train de faire du Metro Exodus. Toi, c'est des jeux qui sont vraiment assez sérieux, on va dire. C'est différent, quoi. On va couper à travers. Allez, Jump Force aussi, on est en train de faire. Donc, voilà, c'est des jeux qui se prennent pas au sérieux, quoi. L'enflamme de paix pour. Hop, il y a pompouille. Il y a 1000 chronos. Hey, putain. Il y en a un qui est des rangs, moi je crois, non. Je sais pas, il est rond ou il est proche. 100 mètres, c'est bon. 100 mètres. Trop. Ah, ok, merde. Bon, vous me cassez les couilles. Qu'est-ce que je peux tirer? Reviens à toi. Je t'ai vu partir. Ramène ton petit cul. Ramène ton petit cul. Putain, j'arrive pas à le toucher en plein vol, le mec. Hein. Ramène ton petit cul. Pas tué si t'étais venu. Hein. Toujours avoir courir, avoir faire le beau et tout. Pff. Bah honnêtement, Anthem, il est vraiment pas mal. J'ai testé la bêta qui donnait pas du tout envie. Je suis clair et net, hein. La bêta, honnêtement, la bêta m'a plus refroidi sur le jeu qu'autre chose. Et bah honnêtement, et bah je me prends bien au délire. J'aime bien de façon de base, j'aime bien tout le délire un peu Iron Man, toi. Et là, le côté javelin et compagnie, et bah je trouve vraiment sympa. Très bonne surprise pour moi, en tout cas. Alors, j'ai vu beaucoup, comme d'habitude, il y a toujours des critiques hein, qui aiment pas, machin et tout. Sachant que c'est un jeu qui se vaut dans la lignée des Destiny, mais en vue troisième personne. Bonne nuit à toi, Monty Wade, et n'hésite pas à revenir quand tu veux. Ce sera bienvenu. Bonne soirée à toi. C'est le type de jeu voilà, qui se vaut un peu dans la lignée des Destiny. C'est des jeux qui vont avoir beaucoup de contenu qui arrivent après. Oh, mon petit Skull, comment tu vas? Donc, ouais, c'est des jeux en devenir, on va dire. Pour en parler. Donc à voir après, à voir ce qu'ils vont mettre dessus. Je sais pas s'il est long ou pas comme jeu, mais en tout cas pour l'instant, on en fera un petit peu après, je pense, parce que j'aime bien switcher un petit peu, comme tu sais. Donc tu pourras donner ton avis si tu veux. Et j'ai eu la pigarde. Super. Pour une fois que j'arrive à arrêter un truc, en fait. Fais pas chier. Pour une fois que j'arrive à arrêter un truc, en fait, le mec il est mort avant quoi. Ouais. Normalement, ouais, demain j'en ferai un aussi, ouais. De base, on en fait normalement tous les soirs. Là, depuis quelques temps, c'est un peu compliqué avec toutes les sorties, avec toutes les, tous les trucs qu'on a autour. Mais de base, il est. C'est annoncé tous les soirs les lives. Au moins une heure ou deux tous les soirs. Et quand je suis tout seul chez moi, genre je fais une partie de l'après-midi ou une bonne grosse soirée avec une bonne partie de la nuit quoi. Pas de soucis Ryder. Mais je te dis honnêtement, bonne surprise. Je m'attendais à moins bien. Parce que je te dis la bêta elle donnait pas du tout envie. Je m'attendais à moins bien et en fin de compte, non, le jeu est plus beau, plus fluide que dans la bêta. Et bon après j'ai pas tout compris encore tous les systèmes, t'as encore des systèmes particuliers que j'ai pas encore fait. Mais sinon non c'est fluide, non c'est bien. Bonne surprise. C'est pas le jeu de l'année mais au moins bonne surprise. Ça donne un petit vent frais par rapport à tout le contenu qu'on a déjà actuellement quoi. Bah j'ai pas encore fini mon petit Kingdom Hearts 3, il faudrait que j'avance aussi. J'ai tellement peur de l'avancer, de me rapprocher de la fin et que l'aventure Kingdom Hearts s'arrête en fait.
Ça me fout les boules, j'ai pas envie d'avancer dans le jeu, juste parce que j'ai peur d'arriver vers la fin du jeu et de faire ah merde, il y en aura plus après quoi. Donc voilà, ça me dégoûte un peu, mais bon. Un jour ou un autre, faut avancer. Ouais, c'est le Far Cry New Dawn, donc en fait c'est un peu le 5.2. C'est la suite de Far Cry 5 qui est sorti donc de mémoire 15 ans après. Appuie sur l'idée. Il y a un arc 15 fois plus puissant que le tien, tu crois vraiment que je vais reprendre un arc en bois qui fait 200 points de dégâts, que j'ai réchauffé 1002? Mais, t'as fumé, non? Oui, je t'ai dit après le live, poteau. Ça c'est fait. On pense à récupérer nos flèches en même temps. Alors c'était assez discret pour toi ou pas? Nous t'avons amené aussi loin que possible. Je dois descendre dans la caverne et allumer la flamme toute seule. Ils ont inondé la...
la salle et bouchez les tuyaux. Ces tuyaux contiennent la grâce qui alimente la flamme sacrée. Vide l'eau et détruis les tuyaux pour libérer la grâce. Ensuite, enflamme-la pour que la flamme de la justice s'élève à nouveau. Fais attention qu'elle ne t'emporte pas. En gros, allume le gaz, fais péter la baraque et essaie pas de crever, quoi. Si tu me l'aurais dit dans le sens, j'aurais bien compris aussi. Bon, et ben... T'as vachement mêlé, tiens, comment je vais faire pour vidéo? C'est un générateur. Comment je vais faire pour faire vider l'eau de toute la baraque? D'accord, c'était si simple que ça. Oh, c'est décevant. Moi, j'en ai la plus, moi. Ah putain oui, j'oubliais. Ça commence à briller. Moi je dirais bien, casse-toi vite avant que ça te pète déjà la gueule. Non, c'est quoi, je suis pas si suicidaire. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis pas si suicidaire que ça. Hein, on va dire bien reculer, disons premier. On va prendre un molotov. On va charger le molotov. On va balancer. On se barre en courant, bordel de merde! Cours pour ta vie! Non, ça va marcher. Ah si, si. Enfin, je crois. Ah si, voilà. Pardon. Je sais pas, je t'ai vu à quatre pattes, j'ai dit t'as chaud au cul. Dieu te surveille. T'aurais pu. Enfin, je ne sais plus vraiment. Le père saura comment t'appeler. Même état que j'avais réussi à faire ce que tu as fait. De toute évidence, c'est toi qui vas accomplir la prophétie de Joseph. Tu dois retourner voir Ethan.
Voilà, succès. Ils sont terminés. L'avantage normalement c'est que je peux peut-être me téléporter, non? Oui, merci. Ouais, j'ai. Pratique. Oui, je veux pas me faire envoyer en l'air tout à chaque fois. Hein. Quand même. Après tout, comme ça fait surtout nous sommes t-shirt. Tous ses enfants. Mmh. T-shirt. Pour ça, c'est un vieux film qui est en train de se... Le père nous quitte dans ce moment. Faites la boire, non mais bande d'alcooliques, vous. Direct, faites-le. Vu la tête, il n'a pas envie d'avoir confiance quand même. Cela te permettra de survivre à ton passage. Rapporte la preuve de sa mort. Ils comprendront enfin que je suis leur prophète. Et je te donnerai l'aide qu'il te faut. Et tout le monde sera content. Tu fais flipper. Et confiance. Nous allons te montrer le chemin. J'ai pas demandé de me sauter pendant que je dors. Je te préviens. Sinon, marteau! 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 Pardon. C'est pas moi. En français, des clous. Aïe, ça fait mal. Bah non, c'est pas mal. T'as de la force. C'est un truc pour frapper, tu sais, les taupes. C'est trop... Oui, je suis pas une taupe, hein. Mes lunettes. Écoute-moi attentivement. Joseph a un sanctuaire là-haut dans le nord. Le haut exige que tu allumes le signe. Je doute que mon père soit encore en vie pour les voir, mais si tu ne les allumes pas, tu le paieras très cher. Parce que malgré le sacrement, le nord peut encore te tuer. Ce bateau et ce feu sont la meilleure assurance pour ta sécurité. Ne t'en éloigne que si vraiment tu n'as pas d'autre choix. Allume les signaux avec des flèches enflammées. Rapporte-moi la preuve que mon père est mort. Et je ferai en sorte que tu sois célébré en tant qu'ami du prophète. Pars, tu as ma bénédiction. Avancer vers le Schnorr. Nord. Allons voir les ch'tis. Il va pleuvoir, attention. C'est le Nord. Oh ben alors là, j'ai pris le bateau le plus rapide du monde. Hein. C'est trop rapide. T'es là en train de brouter, t'es... Temps de puissance, regarde. Je m'emmerde tellement, j'ai le temps même de le temps de faire des zigzags. Allez, allez, passe à la deuxième. Même mon sloop va plus vite que ça.
Ça, c'est pas naturel, ça. Tu crois? Un grand mur de fumée blanche, c'est pas vraiment naturel. Hein. Eh belle la nuit. Voilà, j'étais sûr. Faut vraiment qu'ils aident de se droguer, les mecs. Hein. Sérieusement. Enflammer le fanal. Ok. C'est quoi un fanal? Non. Ah, un loup. Deux loups. Oh, que c'est beau. Oui. Un loup gras. Ce. C'est le fanal. Tu sais qui t'attaque? Non, c'est juste que je m'étouffe. Ah. C'est qu'en fait, il y a trop de drogue dans le coin, donc je m'étouffe. Ah. Tu vas devoir y aller à pied, là. Je pense, oui, parce que j'ai pas l'impression d'avoir y a pas d'autre chemin. Tu peux pas tout à travers. Faut que je reste proche des flammes, en fait, violettes. C'est chelou, ça. Il est de nôtre, il se drogue comme les autres. C'est la porte du Schnorr. Hein? Ah d'accord, j'ai compris. T'as compris? Mais en fait, à chaque fois, faut que... Ah, faut que tu puisses bouger ça pour que la porte s'ouvre et que je puisse passer avec le bateau. Oh. C'est tout ça pour ça? Mais c'est... Attends, mais c'est moi ou je suis fou? Tu parles au jeu? Donc oui, c'est toi. C'est un fantôme. Ah, déjà, je parle au jeu, oui. En règle générale, je parle déjà au jeu, parce que sinon, ça, vous parlez... Je parle pour vous, quoi. Enfin, t'as compris, quoi. Ah. Et je me réponds pas, surtout, en fait. Tu ne réponds pas. Et le premier coup. Elle est folle qu'elle se félicite. Oui, c'est pas faux. Il y a eu beaucoup de changements en quelque temps, t'inquiète pas. Mais moi, je suis un peu perdu encore. T'es pas obligé de répondre. Mais... La vie privée reste la vie privée. Je suis déjà dit. Mais j'ai rien dit. Mais avant que tu dises quelque chose, je te connais.
Je veux dire, c'est pas grave, il s'excuse. Anticiper. Il s'excuse, je veux dire, c'est pas grave. C'est tout. Je suis poli, moi. Non. Là, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît. Faut que je serve quelque chose, c'est ça? Ouais. Déjà, elle suit les lives déjà, c'est bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que si je suis les gâteaux chinois que je mange. Non. Non. Ne jamais suivre les idées des cadeaux chinois. T'es gentil, mon petit rider. Ah, je vais au cul. Aïe! Pourquoi il me refout toujours le fumble, je comprends. Il y en a combien? Comme c'est ça apparaît grâce à la drogue, tu sais pas si c'est enfin tu prends des dégâts mais c'est peut-être pas en fait Eh oh, je suis loin là, oh. On va se calmer la biche là. Combien de musique hit ça? Hum? T'as eu combien de musique hit d'un coup? Il est fabriqué? Ah! En fait, de base, je suis dans une zone qui est remplie de drogue. Enfin, d'une plante qui est, une fois brûlée et raffinée, se transforme en drogue extrêmement corrosive pour le cerveau. Et grosso modo, en fait, ben, à la fin du 5, il s'y arrive quelque chose qui fait que beaucoup de plants brûlent et recouvrent entièrement la zone. Et toi, c'est pour ça que tu entends mon personnage m'a toussé, en fait, parce qu'il se retrouve... Dès que tu vois les petites étoiles qui apparaissent devant le personnage, tu sais qu'il est drogué. Fait que sa drogue commence à agir. Bon, je suis bientôt arrivé, ça bien. Je vois des gens qui sont morts. Je vois des gens qui sont vivants. Et ils me parlent. Et ils me parlent.
Ah bah. Oh, fleur de cerisier. Ah bah, je sais où on est. C'est un barrage. Merci, Captain Obvious. Peut-être le mec c'est juste un ermite quoi. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. J'ai tout sacrifié. Moi-même. Ma femme. Je vous ai conduit au nouveau monde. J'ai cru que tout y serait glorieux. J'avais tort. J'ai tellement attendu que quelqu'un... Oh, c'est un sac d'os maintenant. Le petit fleur de cerisier est sympa. Tu as fait tout ce chemin pour aider les tiens. Bravo. Après le feu purificateur de Dieu, j'ai vu le chemin qu'il nous avait préparé. Et j'ai su ce que nous devions faire en arrivant au Nouvel Éden. Te péter la gueule. J'ai ressorti. J'ai réuni mes fidèles pour... Là, je vais te faire. Si, Spartiate. Bam. C'est pas con. C'est un peu extrême, mais c'est pas con. Les années les plus rudes de l'hiver nucléaire m'ont poussé au désespoir. Et dans ce désespoir, j'ai trouvé notre salut. Cet arbre, son fruit est un don de Dieu qui a donné à ma famille la force de supporter la famine et la maladie. Le Nouvel Éden a prospéré. En fait, Job, c'est Brad Pitt. Nous avons créé un paradis sur Terre. C'est branle-bite combat. Les sauterelles y ont mis un terme. Ces ravageurs représentent tout ce que Dieu nous a demandé de rejeter. Leur âme est pourrie, corrompue. Tu es différent. Le doute m'habite. Je m'appelle Lucha. Je crois que ton âme est dite. Thank you.
chose qui passe derrière. Il fait un câlin à l'arbre. Voici toute l'aide dont tu as besoin. Mon copain. Mon oisal. Notre compétition. Celui-là même qui a permis à ma famille de survivre. Laisse-moi te l'offrir maintenant. Non. Adam et Ève, je suis pas Ève. Notre miracle. Toi, quel cheveux long. Je préviens. Tu fais pas la fille. Le problème, c'est que t'es une fille dans le jeu. Ta gueule. C'est lui qui a cheveux long. T'as pas mort. En plus, oui. T'as morflé, Adam, putain. Oula. Comptez des conneries, le mec. L'épreuve de Dieu. Bouffer une pomme, l'épreuve de Dieu. Purifie ton âme avec une pomme. Purifie ton âme. Oh ta gueule. Pas du mec. Ah. Ah mais... Tu la bêtes. En fait, c'est encore de la drogue, quoi. Bah, ouais, je suis en train de m'enfumer. Ah, oh, je me casse, mais je me suis cassé la gueule. C'est la pomme de Blanche-Neige. Qui, où est la salope qui m'a offert une pomme? Tu connais pas celle-là? Non. Si tu réussis. C'est Ryuk de Death Note, habillé en Blanche-Neige. Ah. Il se balade avec la pomme rouge. Fait, où est la salope qui m'a offert une pomme empoisonnée? Elle est là. Hmm. Oui. Au moins, il y en a un qui rigole, c'est ça. Je me sens moins seule. Waouh. Ah, carrément. À mon avis, c'est quoi? C'est qu'on était tellement drogués qu'en fait, tout ça, ça n'existait pas quand on s'est retrouvé ici. Hein. Ah bah non. D'accord, j'ai juste mon arc. Ah ouais. Ah, j'ai vraiment que mon arc, en fait. Et une seule flèche, c'est ça, non, ton tir? Ah ouais. Voilà. Ah. Non, tu casses. Ah. Fuyez. Ah. Ah. J'ai pas envie. M'avait bien fait rire cette image aussi. Et ta bite. Hein? Ah! Maman. Maman. Tiens. Il est là. Faut vraiment arrêter pour que je sois à côté, moi. Ta gueule, toi. Tiens. Il est où? J'ai fait chier, mité. Heureusement.
Mais c'est bon, dépêche. Oh. Je t'ai eu. Pas je crois. Putain, c'est lui. Ah, super. Lol. Il est où? Wesh. Wesh, l'ours. Il est là. Ouais. Là, il vient de battre. Ah, t'as plus de flèches? Tiens, tiens. Attention. Pardon? Hein? Oh. Moi, je... T'as plus ton arc? Ah ouais. Ah ouais, la drogue, c'est mal. C'est pour ça que je suis ici. Il y a ceux qui me doivent. Ah, j'ai même pas. Merde, j'ai pas eu le temps de voir le message. Même si je les aime. Même s'ils font partie de ma famille. Après, c'est vrai de ce que t'as dit, Ryder. J'ai pas eu le temps de voir ton message, Ryder, donc je peux pas dire s'il a eu raison ou pas. Mais vu que la vidéo après c'est sur. Ah! Oh non, on s'en saura encore. Mais va te faire foutre. Je suis la bergère de ton peuple. Alors toi, t'es pas le berger, c'est sûr et certain. Oh, Joseph, va chercher ta Marie, fais pas chier. Hein. T'es un mec qui est dans son tipi encore en train de chialer. Hein. Il va finir sur ta petite croix en bois, voilà. Joseph, sur si tu veux, je peux t'aider, j'ai déjà le marteau pour les clous. Au moins, déjà, il y en a une qui rigole. Ah! Aïe, putain. Eh oui, c'est total approche de toi. Yeah! Personne l'a vu, genre. On ne doit plus espérer que Joseph nous sauvera. Il ne reviendra jamais. On doit cesser de croire à son retour et. Père. Ethan. Père. C'est le père. Mes enfants, je sais que vous avez souffert. Il est comme une deg à gauche. Vous avez peur. Minecraft Base Airbase, yo, comme Maestar. Comment tu vas, mon petit Minecraft? C'est pas mal aussi. Mais je ne vous ai pas abandonné. Dieu m'a parlé. Il m'a montré la voie pour sortir. Nous nous cacherons bientôt plus derrière ces murs. Nous ne nous contenterons plus d'espérer que les... Ah, mais t'inquiète pas, Ryder. Non, mais là c'est vrai, c'était léger. Enfin, c'était léger. Le moment de nous battre est venu. Car Dieu nous a enfin envoyé son épée. Après, c'est comme la vidéo sera sur YouTube que je suis en train de faire. Donc, c'est vrai qu'on essaie pas trop avoir de... les messages qui restent trop longtemps, toi. Et je me tiens là devant vous pour témoigner que les... Là, c'est un bail aussi, ouais. Cet avenir que Dieu nous a promis. Non! Tu m'as abandonné. Tu nous as abandonné. Sans un seul mot, sans instruction, me laissant les guider, seul, du mieux que je pouvais. Et là, maintenant, tu es de retour, comme si tu descendais du ciel, et tu veux nous guider? C'est moi qui commande ici. Joseph,
le nouvel Éden m'obéit. Nous suivrons tous le Père. Mon fils, je sais que tu as porté un lourd fardeau en mon absence et je te rends. Mais c'est la volonté de Dieu. Et parfois, il faut savoir sacrifier ce que nous voulons pour répondre aux commandements du Seigneur. Qu'est-ce que tu as sacrifié, toi ? Un jour, tu verras. Je te prends. Venez. Avançons tous ensemble. Je sens qu'il va pas être content. Nous avons du pain sur la planche. Ah non. J'y vais, se ramasser une balle dans le dos. Ouais, Far Cry New Dawn, donc c'est le dernier poteau. On va finir le scénario, on va finir ce qu'il raconte. Non mais t'inquiète pas, mais après moi j'ai rien dit, Ryder. Avant d'être notre BG, tu dois être notre ennemi. Va, et nettoie cette terre pour tous ceux qui souhaitent y vivre. T'inquiète pas, je te fais pas de reproche. Yes, I. Je suis à tous. Normalement. Ah. Dis quoi là? Saut de la foi. Appuie sur A en l'air pour prendre de la hauteur. Appuie sur A en l'air pour prendre de la hauteur. Automatné B pour devenir temporairement plus difficile à repérer par les ennemis. Consomme le don d'Eden. Maintien R pour augmenter temporairement la vitesse, la force et la résistance au coup. Les exécutions régénèrent le don d'Eden et la santé des victimes est automatiquement pillée. Ouh, ça se peut pratique ça. Augmente la vitesse de régénération du don d'Eden. Et bah, on va prendre déjà ça. Et on prend déjà ça. 8 et 7 et 7, 14 et 8. Ben. Bah. Deux. Oui, c'est bien, c'est compté. Bon, il faut un peu de temps, mais... D'accord, maintenant il y a des talons avec le... Ok. Ce que l'on va faire, on va faire un petit point de sauvegarde, on va faire une petite pause de temps que je coupe pour la vidéo YouTube et on reprend tout de suite.